Le salon de la moto, ça n'est pas seulement que de la moto, c'est aussi de l'équipement. Alors je vous propose de faire un petit tour et je vais vous montrer les principales nouveautés. Allez, en route. Petite révolution chez Choey avec ce Neotech, leur nouveau modulable, puisqu'il intègre pour la première fois un pare-soleil, ce que la marque japonaise se refusait toujours à faire jusqu'à présent pour des raisons de sécurité. Alors pour pallier à ce manque de sécurité, le casque a été renforcé sur la partie supérieure. Donc ça sort en mi-mars, un prix qui débute à 529€. La nouveauté high-tech de ce salon, c'est l'amortisseur mécatronique de chez Ohlins. En fait, il upgrade l'amortisseur électronique de BMW, l'ESA, avec des électrovannes qui pilotent et pour l'une la détente et l'autre la compression. Donc il y en a pour 3100€ l'avant et l'arrière. C'est disponible uniquement pour la GS1200 pour l'instant et puis c'est disponible dès janvier. Des connexions intercom. Alors, le F5, c'est le premier intercom kit main libre qui parle. Donc voilà, c'est anecdotique, mais c'est sympa. Ça change de la série de LED qu'on entend habituellement, qui est impossible à décrypter. Donc c'est pour 249€, disponible au début de l'année. Nolan, le N104, c'est le nouveau modulable, l'héritier d'une longue série de N100. Il a été entièrement repensé pour plus de silence, plus de confort. Et c'est disponible dès à présent pour un tarif qui débute à 369€. Alors c'est un festival de nouveautés sur le stand Shark. On a choisi de faire un focus sur le Speed Air, qui est le successeur du RSI dans le segment sport tourisme. Alors c'est un casque super équipé parce qu'il y a un pare-soleil, un écran 3 mm de compétition et apparemment il est très pensé pour la sécurité. D'ailleurs il est assez léger et les premiers tests donnent de très bons résultats au crash test. Donc c'est dispo à partir de mars, à un tarif qui débute à 299€. En ces temps de répression, là, il est de bon ton de se doter d'un avertisseur de radar pour éviter de se faire toper bêtement. Alors voilà, Inforad vient de sortir le CI, qui est un petit appareil compact. Il y a une version moto, donc qui est présentée dans un boîtier étanche, et qui permet aussi de signaler des spécificités pour les motos, du genre flaque d'huile, des petites particularités comme ça. C'est vendu à 299€ et c'est disponible dès maintenant. Alors sur le stand de Touratech, on a repéré cette petite sacoche en trois parties avec un sac de sel amovible et les deux sacoches cavalières reliées entre elles. Apparemment, donc c'est un prototype, hélas, parce qu'on aurait bien voulu l'essayer dès maintenant. C'est destiné à la fois aux enduros avec des pots hauts, comme on peut le voir ici, et puis aux machines hypersportives. Donc ça devrait sortir en 2012. Encore une belle réalisation au Signerouf avec ce Desmo, qui est un intégral à la mentonnière relevable. L'originalité de ce casque, c'est son système d'articulation qui permet de relever la mentonnière sans toucher à l'écran. Même chose dans l'autre sens, en position de jet, lorsqu'on referme la mentonnière, l'écran se soulève grâce à un système de cam situé sur les platines. Alors, le prix n'est pas encore fixé, il est estimé à environ 400€ et il devrait être disponible aux alentours de mars. Alors chez Baxter, il y a un nouveau sac à dos qui s'appelle le Starlight. Enfin, nouveau, il sortira en mai, un tarif de 149€. L'originalité de ce sac, c'est cette double rangée de LED qui s'allume grâce à un émetteur-récepteur en même temps que le feu de stop de la moto. Donc dès qu'on appuie sur la pédale, hop, il y a un doublement du feu de stop. Donc c'est un petit plus pour la sécurité. Et voilà, on a fait notre petit tour des nouveautés accessoires et équipements de ce salon de Paris 2011. Alors bien évidemment, on va tester tous ces produits et puis je vous donne rendez-vous dans la rubrique conso de Moto Magazine et sur le site motomag.com pour découvrir les résultats de nos évaluations. Allez, à bientôt.